Camille Lelouch, cette étape particulièrement énervante que traverse actuellement sa fille. Sur Instagram, samedi 5 août 2023, Camille Lelouch s'est confiée sur cette habitude particulièrement énervante, qu'a en ce moment sa fille Alba, bientôt 10 mois, tout jeter et tout mettre à la bouche. Il faut une patience, a commenté la maman avec humour. Une nouvelle vie. Dimanche 9 octobre 2022, Camille Lelouch est devenue maman pour la première fois. Elle a donné naissance à une fille prénommée Alba. Naissance qu'elle a annoncée une semaine après son accouchement sur les réseaux sociaux, une fois le « tourbillon » passé. J'ai attendu une petite semaine pour l'annoncer parce que vraiment, physiquement je ne pouvais pas. Je suis rentrée à la maison hier avec cette petite merveille. Depuis, Camille Lelouch découvre les joies et les galères de la maternité. Et, sur les réseaux sociaux, elle partage les bons comme les moins bons moments de son nouveau rôle de maman. Samedi 5 août, dans une vidéo partagée sur Instagram, elle s'est plaint, avec humour, de cette habitude plutôt embêtante de sa fille Alba, qui va bientôt fêter ses 10 mois. Ils jettent tout et ils mettent tout à la bouche. J'avais une petite question, a commencé Camille Lelouch, se filmant depuis son lit. En termes de patience, il y a des étapes pour toutes les mamans qui sont mamans. Il y a une étape particulièrement énervante, c'est celle où ils jettent tout et ils mettent tout à la bouche. Elle est longue. Elle est très très longue, elle a ensuite imité sa fille, prenant un objet et le laissant tomber à répétition. Elle te regarde. Ça peut durer 3 heures comme ça, a déploré la chanteuse. Et elle met tout à la bouche. Si elle voit un cheveu, elle arrive à l'attraper, je sais pas comment elle fait avec ses petits doigts. Une petite miette. Tout à l'heure, elle était dehors, je me suis retournée une seconde, avec son père, dont on ne connaît pas l'identité, NDLR, hop, elle a bouffé une feuille et de l'herbe, a raconté Camille Lelouch, qui a utilisé la technique du « crochet » pour empêcher sa fille d'avaler la feuille et l'herbe. Il faut une patience, a-t-elle glissé. Et d'ajouter qu'elle ne trouvait pas de solution. On peut pas gronder, c'est pas bon pour leur cerveau, on peut pas crier. Alors elle utilise une « voix grave » pour lui dire à sa fille. Ça suffit maintenant. Hilaré. Camille Lelouch a révélé. Ça marche pas du tout en plus, je suis ridicule. Elle aura au moins essayé.